On a à plusieurs reprises évoqué euh, des sujets importants euh, qui traitaient des enjeux économiques, sociaux, environnementaux comme euh, outils euh, de transition euh, économique, sociale, environnementale, bien sûr. On a donc travaillé sur le G20 dans le cadre d'une mondialisation socialement efficace. On a travaillé sur le Rio plus 20, sur la conférence de Durban. À chaque fois venait. Euh, des éléments qui nous amenaient à avoir une réflexion, avoir une réflexion sur on arrive aujourd'hui au bout d'un modèle économique qui développe euh, les crises financières, économiques, sociales. Il faut bien qu'on invente autre chose, il faut réfléchir à autre chose en tout cas. Et venait souvent à cette réflexion autour de la RSE. Donc il nous a semblé intéressant d'approfondir un peu d'abord qu'est-ce que c'est que la RSE, euh, responsabilité sociale et environnementale, responsabilité sociétale des entreprises. Euh, il nous a semblé important de travailler ces questions-là et de travailler également l'ensemble des instruments qui, qui existent autour de la RSE et que beaucoup euh, ne connaissent pas. Quoi. Alors les potentialités, il faut mesurer quand même que dans les dix années qui, sont, qui, qui viennent de se passer, euh, il y a eu des rapports de force qui se sont développés euh, au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national. Euh, au travers de, euh, de la société civile, des organisations syndicales, des euh, associations environnementales, des associations de consommateurs, mais aussi des organisations professionnelles d'employeurs, qui euh, voient bien qu'il y a besoin de réfléchir et d'aller plus loin sur la prise en compte de l'ensemble de leurs responsabilités de l'entreprise et hors entreprise. Donc euh, ça, c'est l'aspect positif. Donc à partir de là, on voit bien aussi que les instruments qui ont été mis en place ont évolué dans les dix dernières années. On voit souvent, par exemple, la Commission, elle fait un texte sur la RSE en 2001, elle en fait un autre en 2011, l'OCDE, au travers des principes directeurs, revisite les principes directeurs en 2011, et on voit une évolution dans la prise en compte de la RSE et sur les contenus même de la RSE. Le seul bémol que moi j'y mettrais, c'est la nécessité d'aller plus loin, c'est-à-dire aller plus loin sur cette dynamique. Alors, poursuivre cette dynamique avec l'idée, il faudra un jour ou l'autre qu'on aille vers des, euh, des, 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 des statuts juridiques plus contraignants qui, euh, qui, qui permettent justement d'éviter le dumping social et de mettre les entreprises à égalité. 10, en tout, on a, on a fait dix préconisations. Euh, pour cet avis. Il y a bien sûr la préconisation qui fait référence au reporting euh, financier, extra-financier intégré, qui nous paraît important, euh, importante. Il s'agit d'aller plus loin sur. Euh, euh, la transparence et les éléments de connaissance sur euh, les contenus des reportings, qu'elles soient mises à disposition de l'ensemble des parties prenantes, l'écoute des parties prenantes aussi, la prise en compte de, 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 de la parole des parties prenantes en, en amont et pas toujours euh, à la fin, c'est-à-dire on a besoin de dépasser la notion d'information et d'aller plus sur l'amont, hein, sur l'élaboration. Euh, ce qui est important aussi, c'est la, la, la question de, de la responsabilité, de, la, de, du respect des normes internationales. Euh, donc à partir de là, nous, il nous semble que, d'une part, on sera obligé de réfléchir à l'évolution. Les multinationales, par exemple, euh, n'ont pas de statut juridique. Et le rapport des maisons-mères euh, aux, aux filiales et aux fournisseurs est posé. Euh, on voit bien aujourd'hui le drame alors, du Bangladesh. Au Bangladesh, c'est plus de 1000 salariés qui sont morts dans des conditions de travail euh, terribles. Donc là, on est dans une concurrence complètement déloyale et donc on sera bien obligé à un moment donné de, de dire c'est la faute à qui. Et nous pensons que plus tard, on y arrivera. C'est une, une réflexion qui, 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 qui prend corps aujourd'hui sur un, un statut juridique et des, des normes contraignantes. Et puis, il y a aussi la responsabilité de l'OMC, par exemple. Euh, D'abord, renforcer euh, très fortement le rôle de l'OIT, de l'OMS, de la FAO, qui sont des outils internationaux qui peuvent aider. Justement, apporter les dimensions de la RSE. Il ne peut pas y avoir, par exemple, l'OMC, il ne devrait pas pouvoir y avoir d'accords bilatéraux commerciaux sans que les normes de la RSE soient intégrées dans ces accords bilatéraux. C'est-à-dire faire en sorte que les accords bilatéraux soient contraints d'engager aussi des normes de respect environnemental, économique, social pour les salariés et pour les populations. Euh, un point qui nous paraît important, c'est que lorsque l'on parle de garantir euh, le dialogue avec les parties prenantes, toutes les parties prenantes, euh, c'est aussi euh, une des propositions, c'est euh, aller aussi vers des, de, de nouveaux droits euh, pour les organisations syndicales représentatives dans les entreprises euh, d'information sur euh, les questions liées à la RSE. Euh, parce que c'est aussi euh, des, des problématiques nouvelles qui nécessitent euh, d'avoir des moyens euh, pour pouvoir se pencher, étudier. Euh, et approfondir les dossiers. Donc, ça fait partie des, des, des propositions que nous faisons également.